Depuis le mois de mars, nous discutons beaucoup d'urgence, puis nous avons parlé de relance. Ce projet de loi de finances pour 2021 est effectivement le véhicule d'abord de la relance. Et là, nous nous retrouvons à un moment charnière, la fin de l'urgence pour l'année 2021, l'anticipation des besoins d'urgence pour le début de l'année 2021 et mettre sur les rails le plan de relance. Donc ce moment charnière, il est délicat et nous devons ici, lors de cette nouvelle lecture, bien en prendre conscience dans un effort de clarté, de compréhension pour ceux qui souffrent aujourd'hui pleinement des effets de la crise, mais aussi pour ceux qui doivent se saisir des outils d'investissement pour faire de la France un pays plus fort, plus prospère, plus puissant, plus compétitif demain après cette crise sanitaire et économique. Nous devons donc, de fait, considérer nos discussions budgétaires de façon un peu différente de d'habitude. Et je dis cela parce que le gouvernement, et il a eu raison, a déposé un amendement qui nous propose d'ouvrir 6 milliards d'euros sur la mission plan d'urgence. Et c'est un amendement qui prévoit 5,6 milliards d'euros pour le fonds de solidarité et le soutien au secteur de la culture, du sport professionnel, des stations de ski, mais aussi pour l'acquisition de matériel sanitaire. Donc, par rapport à la première lecture, il va y avoir des ajouts au sujet de la mission plan d'urgence importants sur lesquels il va falloir prendre quelques instants. Et au-delà de ces 6 milliards d'euros, le gouvernement prévoit des mesures de soutien au titre de l'urgence pour un total de 13,4 milliards d'euros en 2021, notamment en créditant d'autres missions ou en opérant des reports des crédits de l'année 2020.